Située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de la ville de Chicoutimi, Saint-Fulgence se démarque par la diversité et la richesse de ses milieux naturels. Entre les eaux profondes du fjord et les monts Valin, la faune et la flore se déploient en harmonie, profitant ainsi de l'un des plus beaux habitats pour y vivre. Depuis la fin des années 50, Saint-Fulgence vit au rythme de la nature grâce à un site incomparable, le Cap Jaseux. La Société des jeunes explos a poursuivi pendant des années une œuvre d'enseignement, d'études, d'exploration et de recherche, surtout durant la saison estivale. En 1976, les jeunes explos changent leur mode d'organisation et quittent le Cap Jaseux, ce qui ouvre la voie à la création du parc actuel. L'épanouissement de la jeunesse reste l'objectif le plus important de l'organisation. Les activités qui y sont pratiquées ont un caractère très populaire et surtout scientifique. On retrouve sur ce terrain une flore variée et abondante. Cette générosité est due en grande partie à la diversité topographique des lieux. Près d'une centaine d'espèces d'oiseaux ont été répertoriées, dont le tiers est constitué d'espèces rares. Facile à observer, le lièvre d'Amérique et la gélinotte huppée sont en abondance sur le site car la chasse y est prohibée. Le parc du Cap Jaseux, avec son paysage unique et la tranquillité de ses lieux, en font un endroit recherché au Saguenay. Son réseau de sentiers pédestres nous donne la possibilité de passer du milieu marin jusqu'au marais tourbeux. Cette transition se fait en passant par toute une gamme de peuplements représentant des écosystèmes bien distincts. En remontant le Saguenay, on retrouve la rivière Valin. Elle est la plus importante à drainer l'arrière-pays. La dénivellation dans les derniers kilomètres est prononcée. Ainsi, plusieurs chutes magnifiques parsèment son parcours. Par contre, ces chutes empêchent le développement du roi de nos rivières, le Saumon. Seulement 5 km lui sont accessibles, ce qui limite le nombre actuel de géniteurs à une trentaine par année. Dans les années à venir, le saumon aura peut-être de l'aide, car des projets sont à l'étude pour développer son potentiel de frais. Le nombre de géniteurs pourrait s'élever à plus de 1500 par année dans le bassin de la rivière Valin.
Il reste à contourner 21 obstacles, dont celui-ci de toute beauté. Un spectacle unique que les Monts Valin. Son point culminant, 950 mètres au-dessus du niveau de la mer, dominant toute la région. Ce territoire est le lieu de prédilection d'une multitude d'espèces animales et végétales. La symbiose entre celles-ci est grande. Par exemple, une famille de castors s'installe sur une rivière. L'étang ainsi créé provoque une formidable activité biologique propre au développement sur et sous l'eau. Les milieux humides en forêt témoignent d'une grande vigueur. Cette grande productivité provient de l'abondance des insectes. C'est incroyable et pourtant à la base de toute vie sur Terre, ils sont essentiels. Quand on pense que la moitié des espèces d'oiseaux et de poissons, en passant par les batraciens, dépendent directement d'eux pour se nourrir, il est important de leur donner la place qui leur revient. Depuis 35 millions d'années, plantes à fleurs et insectes pollinisateurs ont des rapports indispensables, tant pour l'un que pour l'autre. Sur tout ce territoire, on dénombre plus de 9300 espèces d'insectes, ce qui attribue à ce coin de pays une diversité faunique exceptionnelle. Les milieux humides représentent un univers complexe qui explose de vivacité, une richesse à protéger et à promouvoir. Niché à flanc de colline, Saint-Fulgence admire l'un des écosystèmes les plus productifs de la biosphère, les battures de l'Anse-au-Foin. C'est le mélange de l'eau douce et de l'eau salée, amenée deux fois par jour par les marées, qui rendent unique cette enclave des bords de mer à 100 km à l'intérieur des terres. Les plantes qui y vivent sont halophytiques, car elles ont besoin de sel pour se développer. Elles présentent plusieurs adaptations leur permettant d'évoluer dans ces milieux. Pour la faune ailée, les battues représentent un milieu remarquable pour nicher, puisque la nourriture s'y trouve en abondance. Saint-Fulgence vit au rythme des harmonies chantées par plus de 200 espèces d'oiseaux. Cette symphonie s'accorde avec différents types d'habitats, comme les battures et ceux de type forestier et agricole. Un phénomène naturel qui a toujours fasciné les êtres humains et qui annonce les saisons, c'est la migration des oiseaux. Au printemps, pour annoncer le retour de l'activité fébrile de la belle saison, et à l'automne, pour nous préparer à un autre hiver. La bernache du Canada nous promet chaque année la migration la plus grandiose. Plusieurs milliers d'individus font escale sur les battures de Saint-Fulgence.
Par le côté spectaculaire du grand nombre de ces oiseaux, c'est un moment favorable pour faire déplacer des milliers de personnes des villes avoisinantes. C'est une occasion unique pour mieux comprendre les habitudes de vie de ces oiseaux migrateurs. Elles font une halte ici car elles doivent faire le plein d'énergie afin de poursuivre leur voyage. Leur repas préféré, ce sont les rhizomes ou tiges souterraines du sirpe d'Amérique. D'autres oiseaux sont de passage, comme le grand héron. Plusieurs niches, comme le canard noir. Ce qui pousse les oiseaux à migrer comme cela est en grande partie élucidé, et ce n'est pas toujours le manque de nourriture qui les motive. C'est en fait la longueur des jours, ou si vous préférez, la photopériode, qui influence le plus leur migration. Depuis 1950, les ornithologues observent les oiseaux de l'anse au foin. Aujourd'hui, cette activité est accessible à tous grâce à des infrastructures d'accueil et d'interprétation faciles d'accès. La nature mérite d'être connue de tous et chacun. Depuis quelques années, Saint-Fulgence redécouvre en été une autre richesse faunique exceptionnelle. Jusqu'à la flèche littorale, les bélugas sont de passage pour se nourrir surtout d'éperlans et de caplans. Ce mammifère marin est une baleine à dents qui mesure de 3 à 4,5 mètres et est parfaitement adaptée aux eaux froides de l'estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Le béluga respire comme nous, à l'aide de poumons, et le plus souvent, il passe de 5 à 10 minutes sous l'eau. Depuis plus d'un siècle, le Saguenay subit les assauts de l'urbanisation et de l'industrialisation. Cette pollution a une incidence directe sur la survie des bélugas. Il est à espérer que les efforts déjà entrepris à dépolluer le Saguenay se poursuivent et contribuent à améliorer les conditions de vie de ce mammifère marin. Saint-Fulgence s'ouvre à la nature qui l'entoure et la réalisation du centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux fait partie de cette prise de conscience de la population locale. Le concept de réhabilitation est particulièrement intéressant car il n'est pas question ici de jardins zoologiques. Le but à atteindre est de relâcher les oiseaux qui y sont admis. C'est à la clinique vétérinaire que les oiseaux sont soignés. Cette buse pattue est actuellement traitée pour de la pododermatite. On contrôle l'anxiété de l'oiseau en lui recouvrant la tête. Cette méthode est également utilisée pour amener au centre les oiseaux blessés et lors de leur remise en liberté.
quand l'étape des soins en clinique est terminée, on conduit nos pensionnaires aux voilières de réhabilitation. Ils arrivent bien jeunes au centre. Ce merle affamé pourra s'envoler dans quelques semaines. Les aménagements permettent d'accueillir plusieurs espèces d'oiseaux. Pour ce faucon émérillon, le temps est venu de retrouver la liberté. Du centre est d'éduquer, de sensibiliser les visiteurs pour faire connaître et comprendre les milieux humides et ainsi de stimuler l'intérêt et le respect envers la nature qui nous entoure. Les modules d'interprétation sont des outils qui aident à visualiser les facteurs abiotiques qui exercent une influence sur les battures, comme les marées, les types de sol et l'érosion. Le rôle le plus important du centre n'est certes pas de sauver 60 ou 100 oiseaux par année, mais bien de sensibiliser la population devant les dangers réels auxquels les oiseaux sont exposés. En connaissant mieux les impacts négatifs de nos comportements et sachant ce que l'on doit faire pour les minimiser, c'est toute la faune et la flore sauvage qui va en bénéficier. Ceux et celles qui visiteront le centre seront à même de constater toutes les richesses qui nous entourent, mais aussi de prendre conscience de la grande fragilité des habitats et des animaux qui y habitent. Chaque espèce a son importance pour préserver l'équilibre de la nature. Ce magnifique territoire n'est pas à l'abri de la menace humaine. En amont de Saint-Fulgence se trouve la troisième plus grande agglomération urbaine du Québec, avec des industries encore très polluantes. La fragilité des habitats fauniques et leur importance pour perpétuer la vie sauvage obligent notre société à se mettre à l'écoute des besoins de son environnement et agir dès maintenant. À Saint-Fulgence, la protection des sites de valeur est très avancée. Les Monts Valin,
avec son parc provincial. Le jardin des battus. Le parc du Cap Jaseux. Tout près, le parc marin du Saguenay et le parc du Saguenay composent un patrimoine naturel unique pour les générations à venir.